Yo les gars, c'est le dieu de la guerre qui vous parle et aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. On va faire un draft card aujourd'hui mais je ne suis pas tout seul, je suis en compagnie de... Top. Nablastou, bonjour à tous. Voilà. Ouais. Bon bah c'est Nablastou, je l'ai invité pour faire ce concept comme vous le savez sur ma chaîne YouTube, j'ai créé ce concept. Donc pour les abonnés de Nablastou, je réexplique le concept. En gros... Comme c'est la Saint-Patrick, j'ai choisi avec Nablastou Given, le gardien de Stoke City. Et on va utiliser ses statistiques pour faire notre draft. Donc comme il a 75 de général, on va prendre la 7ème compo en partant du haut vers le bas pour, voilà, pour faire notre draft. Ça sera assez simple, je pense que tes abonnés comprendront. Nablastou, si tu veux faire une petite présentation, voilà. Bah sinon, si vous n'avez toujours pas compris, bah, vous cliquez dans la description, il y aura sa vidéo. Où il explique tout ça. Enfin voilà. On va faire plus compliqué que ça. Bon, on va partir. Je vais utiliser les points FIFA pour lancer la draft. Moi je suis sur un compte secondaire. Parce que j'ai la flemme d'avoir d'acheter des points FIFA. Moi le gros crevard. Et du coup, avant que je choisisse la compo, j'avais oublié de vous dire que aujourd'hui c'est un discard challenge. Donc celui qui perd, il devra discard Given en version VR quoi. Bon, il coûte pas des masses de crédit, mais bon, c'est un peu plus pour le beau jeu que pour le discard. Voilà, voilà. On va partir tout de suite avec la 7ème compo. Du coup, moi, c'est un 4-4-1-1. Alors, du coup, compo un peu pété, mais bon, c'est pas grave. 4, hop, 6, toi, t'as quoi ? 4-1-4-1. Truc dégueulasse. 4-1-4-1. Aïe. Alors, les capitaines, on prend le 5ème joueur. Bon, j'ai pas du lourd, mais bon, ça passe, ça passe. Moi, je suis parti en BPL, là. C'est moyen. Moi, j'ai Chiellini, du coup. Bon, c'est pas... Voilà. On prend le 2ème joueur, vas-y. Du coup, 8ème. Donc, ça, en gros, ça donne le 3ème, quoi, en draft. Bon, mais j'ai pas du lourd, hein. Ouais, ça va, je reste sur la ligue que j'ai choisie au début. Ouais, ça passe. Bon, comme Given a 81 de plongeon, donc on prend le premier cette fois-ci. Et... Ça va, franchement, les gars. Et ben justement, on peut dire que c'est un joueur vert. Un joueur vert. Ouais. Ok. Bon, on va partir pour le 4ème joueur. Hop. Il a 75 de GMA. Donc d'ailleurs, en commentaire, vous pouvez me dire ce que ça veut dire JMA, parce que je sais toujours pas. C'est jeu à la main, je crois. Donc, jeu à la main ? Ouais, il me semble. Ok. Bon, tu m'as appris quelque chose. Hein. Et comme il a 75, bah du coup, on prend le 2ème. Bon, ça passe. C'est pas... C'est un boost. Voilà. Ça passe. Aussi, avant qu'on parte sur le 5ème joueur, j'ai oublié de vous dire qu'à la fin, pour savoir qui sera le gagnant, on fera une addition du collectif et de la note de général de l'équipe pour savoir voilà, qui sera gagnant. Et une fois qu'on aura utilisé toutes les stats de Given, on générera aléatoirement tout ce qui reste, c'est-à-dire normalement le banc. Voilà. On va partir avec le 5ème. Ah, c'est vraiment de la merde là. Du coup, là, c'est combien ? Vraiment de la merde. Il a 75 de GMA, donc on prend le 5ème. Ah, ça va, tranquille. Tranquille. Non, c'est un peu pété ça. On n'aime pas trop. On n'est pas trop fan. Bon, parti avec le 6ème. Il a 83 de dégagement. Donc, on prend la 8ème. Donc, en gros, c'est le 3ème joueur quoi. Ok. C'est vraiment pété quand même. Bof, c'est bon. Là, j'ai pas des joueurs fou folichons. Hein. Wouh ! On a des joueurs pas mal. Là, c'est tout de suite mieux. Bon. Est-ce que ça va être utile ? On sait pas, mais voilà. Il a. 83 de dégagement, donc on prend le 3ème cette fois-ci. Ouais, ça commence à devenir un peu compliqué. Un peu compliqué. Ah oui. Bon, moi, je te dis clairement, niveau collectif, c'est pas ça. C'est pas ça, on peut le dire. On peut le dire, c'est pas ça. Ah bah moi non plus, j'étais parti sur de la BPL, puis maintenant ça part dans toutes les ligues. Hein. On est parti dans les ligues turques. Bon, du coup, là, autre joueur, il a 85 de réflexe, donc on prend le 8ème joueur, donc en gros, c'est le 3ème. Et... Ça passe, ça passe. Bon, c'est un petit lien, c'est bien. Ça sent mauvais pour moi, là ça sent mauvais. On peut pas. On peut partir avec l'autre, c'est bon. Hop.
on prend le cinquième cette fois-ci. 85 de réflexe, j'ai déjà dit. Bon, il passe celui-là. Bon, je sais pas pourquoi, mais je sens que je vais discard. Parce que généralement, quand quelqu'un il invite, il discard. Je sais pas, je sens pas trop. Alors, tu verrais votre équipe, mais. Bon, avant-dernier joueur de la sélection principale, enfin de l'équipe type. Il a 32 vitesses, donc on prend le troisième joueur. Allez, allez, bonjour. Oui, oh là là. Oh, ça tombe passe. Bien. Oh, ça tombe bien. Ah, je suis peut-être refait. On sait jamais. T'es peut-être refait. Bon, on passe pour le dernier joueur. Et comme il a 32 vitesses, donc il y a un 0, nouvelle règle, on prend le joueur qu'on souhaite. Bon, pour moi, à part, ça change pas grand chose. Mais bon, je pense que pour toi, ça pourra aider quand même. Attends, je réfléchis du coup. Allez, on va partir sur ça. On va réfléchir comme ça. Ok. Ouais. On va prendre celui-là, voilà. C'est sympathique ça. Bon, il reste plus que deux stats, c'est-à-dire le positionnement, il a 75. Donc on a droit à deux remplaçants qu'on va choisir grâce à ces stats. Et puis ensuite, on générera tous les autres avec Y. Soit compléter mon équipe. Enfin, comme toi, t'es sur PS4, ça doit pas être Y. Ça doit être triangle, je crois. C'est triangle, ouais. Ouais. Bon, on part pour le premier remplaçant. Bah, du coup, c'est 7 et c'est deuxième. Ouais. Ça va. C'est du coup, on a le droit de prendre les joueurs qu'on a sélectionnés pour le mettre dans l'équipe. Ouais, en fait, les joueurs sur le banc, une fois qu'on aura généré les remplaçants voilà, aléatoirement, on pourra les mettre dans l'équipe, hein, normal. Okay. Comme ils sont générés aléatoirement, pas de problème. Et le dernier joueur. Ça passe. Et le dernier joueur, le cinquième. Bon. Ah, c'est mauvais. Ouais. Plus avoir mieux. Plus avoir mieux, mais quand même, ça va. Bon, je génère l'équipe. Bon. On va générer l'équipe maintenant. Hop. Alors. Oh. Bon. Oh, la vache. Okay. Je sens le Totti. Ouais, je le sens le Totti. Ouais, tu l'as vu le Totti. Messi Totti. Je le flaire. Bon. On va choisir l'entraîneur. Hein, celui-là, tu choisis celui que tu veux. Bon. On vous retrouve après avec la meilleure draft possible. A tout de suite. Re tout le monde, bon, on a fait la meilleure composition possible. Là c'est tendu parce qu'on n'a pas envie de discard. Sachant que même si ça vaut pas un gros prix, on est des pauvres. Vous voyez, c'est la crise. Les gros crevards. On est des crevards par définition. Donc même 10 000 crédits, il faut les prendre. Faut les prendre quand même. Ça paye quand même, tu vois, 10 000 crédits sur un compte, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. C'est peu, mais voilà. Voilà, on me les donne gratuitement, moi je les prends, les 10 000 crédits. Voilà. Bon, je vais commencer avec ma note de général. 84. 83. Aïe. Bon, commence bien pour moi. Bon, et la note de collectif. Ah. Le suspense est à son comble. Allez. En scratch, je suis en train de faire ça comme ça en me disant putain, je vais gagner et il va me botter au collectif, on sait pas. Mais bon, 75. Oh putain, j'ai perdu. Yes! 72 de collectif. 72 de collectif. Ah, miskin, ça s'est joué à rien, franchement. Ah, bien joué, ouais, j'avoue. Parce que là, ça s'est joué au petit remplaçant aléatoirement. Parce que franchement, bah, l'équipe type comme ça, je vais pas te cacher, elle était vraiment dégueulasse. T'as eu quoi comme bon? Comme bon, j'ai eu du Bellarabi MOTM, du Martial Boost, du Isco Boost. D'ailleurs, qui est même pas à son poste, puisqu'il joue MD, je l'ai fait jouer à gauche. Calme, en fait, t'as eu que des bons joueurs. Ouais, ça passe. J'ai eu surtout Ibra 92 MOTM, mais après, je l'ai mis sur le banc parce qu'il passait pas. Bon, je t'avoue que le petit Messi 99, il a servi à rien. Il a servi à rien, mais bon, c'est toujours ça de prix. Bon, on va se retrouver tout de suite pour voir le petit discard de la part de Nablastou. Hein. Ça fait toujours plaisir que vous voyez ça. Eh oui. À toutes les gens. Pour vous prouver, oui. Je passe sur mon compte principal. Je l'avais pas acheté. J'ai plus de crédit. C'est trop cool. Mais je vais le discard devant vos yeux. Voilà. Allez, 21 secondes.